biso tous les partisans. Et l'autre, il y a de comprendre que depuis le régime Oyé, au Kondi Oyé, il n'y a pas de sécurité, il y a eu des paix, il y a une sacrée. Ma journaliste, ma commune, ma nionlolo, ma arrestation est commune, ben fort, bien et belé. Il y a bien des manœuvres allant dans le sens de vouloir tout fermer, tout réduire au silence, toute voix dissonante. Ma mission TV, le miroir du monde. Libérez, vous Jacquera, libérez, vous Jacquera, libérez.
S'il vous plaît, on nous a dit que le conseil est là. Où est notre mémorandum? Conseiller, on a dit là, on a dit le nom de la personne qui a réussi pendant qu'elle est en train de parler. Soyez disponible aussi. Non, on va pas lire. Ce qui est là, nous sommes venus. C'est la communication. Il est conseiller. C'est un journaliste, c'est ça. C'est un journaliste, c'est un conseiller de communication. Nous sommes venus ici aujourd'hui devant le bâtiment du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, rencontrer la ministre pour notre mémorandum. Le mémorandum, en grosso modo, exige la libération immédiate et sans condition de notre confrère Boujakera et l'abandon de poursuites des journalistes, notamment à Bukavu, où un cas a été recensé de Pascal Kamanzi, qui risque plus de 5 ans d'emprisonnement. Nous avons à Gombe, la situation est vraiment désastreuse. Vous l'avez appris, un reporter photographe a été assassiné. Et le journaliste Papi Okito, Papi Okacho de l'année. Nous estimons que la personne attitude, c'est la justice. C'est l'État qui poursuit Boujakera. C'est l'État qui peut sécuriser les journalistes pendant cette période électorale. Donc nous estimons qu'en vous déposant ce mémorandum, nous pourrons avoir gain de cause. Ce mémorandum est déposé au nom de tous les journalistes de la RDC, représentés ici par les rassemblements de journalistes pour l'émergence du Congo. J'ai dit, je vous remercie et je vous remets ce mémorandum. Le mémorandum est signé. Vous le savez, madame la ministre est absente. Il y a également le vice-ministre de la Justice qui n'est pas là. Vous êtes là et vous réclamez ce qui est de votre compte. Vous pouvez effectivement venir parler afin de récupérer ce document. Quand le ministre sera là, je vous remercie. Il y a 3 copies, donc nous pourrons revenir pour récupérer l'accusé de réception. Oui, je vais passer le lundi prochain. Non, c'est loin. Lundi prochain, c'est loin. Parce que... Nous sommes mercredi aujourd'hui. Hein. Ah, oui, nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi. Je vous dis le lundi par rapport au programme de la maman. Qui n'est pas là, qui sera là nécessairement. Pardon, il n'est pas là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Les plus importants, je suis le conseiller. Et, voilà, monsieur Yann Kaïsiko. Pardon, monsieur. Monsieur Yann Kaïsiko, c'est comme ça qu'on appelle. Yann Kaïsiko. Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, en ce qui concerne la martyrisation du journaliste Stanny Boujakera et tant d'autres confrères à l'intérieur du pays. Donc nous sommes venus exprimer notre désapprobation pour d'abord l'incarcération que nous estimons arbitraire parce que nous ne reprochons rien du tout au journaliste Stanny Boujakera et sur le plan professionnel et sur le plan légal. Est-ce que vous vous sentez menacé aujourd'hui en tant que journaliste avec cette arrestation? Oui, menacé, oui. Et puis nous constatons qu'il y a une intention, une volonté des autorités de vouloir réduire au silence
les journalistes. Donc on est là pour dire que voilà, ça doit cesser. Et à la suite de cette mobilisation, nous allons déposer un mémorandum. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou le contexte électoral fait qu'il y a de plus en plus de pression sur les journalistes? Justement, parce que nous constatons comme s'il y a déjà des journalistes qui ont été ciblés bien avant et que le moment opportun, c'est donc cette période électorale. Il faut donc le coffrer, il faut le réduire au silence. Et c'est le cas de Boujakera, vous avez même vu que ses outils de travail sont confisqués jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine passée, on a tenté de vouloir supprimer son compte Twitter, qui est donc considéré aujourd'hui comme un média fiable. Donc nous estimons qu'il y a, bien des manœuvres allant dans le sens de vouloir tout fermer, tout réduire au silence, toute voix dissonante. Et une dernière question, est-ce qu'un journaliste doit révéler ses sources au Congo aujourd'hui? Non du tout, nous l'avons rappelé dans notre communiqué de presse que en son article 95, il est bien dit que le journaliste a droit d'accéder à toutes les sources d'information, donc que ça soit public, que ça soit privé, et ne divulguer de ne pas divulguer sa source. Donc aujourd'hui, la contrainte est qu'on pousse Boujakera dans toutes ses auditions à dire le nom ou à dévoiler carrément sa source, ce que nous condamnons. Et cela arrive pendant que nous étions en train de célébrer, parce que c'est depuis 1996 que nous avons eu la loi sur la presse, et aujourd'hui, avec Patrick Muyaya, avec le gouvernement Tshisekedi, nous avons quand même une loi qui a remplacé celle de 96. Donc la loi Muyaya qui devait donc nous protéger, aujourd'hui nous constatons que c'est la loi qui nous expose davantage. Et nous nous demandons si cette loi est-elle déjà devenue obsolète. Quel est votre commentaire par rapport aux propos du chef de l'État hier à Washington par rapport à la situation Boujakera? Oui, ben les commentaires du chef de l'État, c'est tout à fait naturel. Il a toujours réagi en ce sens. Mais aussi, notre commentaire à nous, c'est que nous ne voyons rien. Tout ce qu'on pourrait reprocher à Boujakera, voilà, il n'a commis aucune faute professionnelle. Et nous ne comprenons pas pourquoi on continue de le garder en prison. Il était à l'IPEKIN, à la police. Il a été envoyé ici au parquet. Et maintenant, c'est à la prison. Donc, vous connaissez les conditions là-bas. Et nous avons toujours milité pour que la place des journalistes ne soit pas en prison plutôt qu'à la rédaction. Et justement, Stanis n'est pas le seul cas aujourd'hui qui a été... Oui, oui, il y a plusieurs journalistes. Je l'ai dit tantôt, à Goma, par exemple, il y a Papi Okito, qui est aujourd'hui incarcéré au cachot de l'ANER, après avoir été arrêté par les éléments de la garde républicaine. Il y a également un journaliste photographe, un reporter photographe qui a été assassiné toujours dans la ville volcanique de Goma. Et puis vous avez le cas de Pascal Kamanzi, qui est donc un journaliste du Sud Kivu, basé à Bukavu, qui risque de couper 5 ans de prison à cause d'une plainte d'un politicien local qui l'accuse de diffamation. Donc nous constatons qu'il y a des manières, des journalistes qui ont été ciblés, des journalistes certainement qui dérangeaient certaines sensibilités qui doivent être réduites au silence. Donc nous condamnons cela. Monsieur Moïse Souba, vous réclamez avec votre association la libération de Stanis Boujakera. Et vous avez entamé une procédure contre cela. Et si celle-ci n'aboutissait pas, quel voilà. sera le premier nous avons prévu beaucoup de manifestations. Ça, c'est la première, vous voyez, donc avec succès. Nous sommes là. La semaine prochaine, nous irons déposer une lettre ouverte au président de la République. Nous l'attendons retourner ici au pays. Nous allons déposer notre lettre ouverte au chef de l'État pour les mêmes revendications. Et bien, si ça continue, on pourra prendre des décisions vraiment les plus extrêmes. Et pourquoi pas blacklister les informations officielles ou tout ce qui concerne le processus électoral, parce que nous ne voyons pas notre place. D'abord, te remercier de confirmer répondre la Mela, il y a l'organisation qui appelle Macarachet, qui est allée au réseau pour gérer, et donc on a pris la valeur pour l'intérêt à la journaliste. Pour la SAC Mela, par porte-parole d'Abisso, comme on a Edmond Issouba, on a tout protesté pour l'Oubéa contre l'arrestation de Stanis Boujakera, et plutôt arrêter ma poursuite judiciaire contre Stanis Boujakera. Donc c'est Nibino, merci Mingi, ma rédaction, ma vous éveillé.
peu importe le nombre, ce qui n'a cause, n'a bitumba, n'a lutte, au bas qu'on mène, une qui est une lutte noble, moutoumoko aïe, bah mi balise que message est écrit. Bisso, tu as dit ma pandissa. Et l'autre, tu es là, tu comprends que depuis le régime ouïe, beaucoup dit ouïe, papa Tshisekedi, il y a eu des pèses, il y a une sacrée, ma journaliste, ma commune, ma nionlolo, ma arrestation est commune, ben bon, bien et belé. Mazo kataka, mazo konyokolaka, mazo interpellaka, raison peut cause et bani pété. Parce que il y a des gens qui dérangent. Et zali mayo yo, balaka kabisote, na bokonzo yo, boye bito kendaka na ba état généraux ya presse, sous la tutelle et leadership, il y a ministre Patrick Mouya. Tokenaka, bayo bakenaka na ba. Babien Gangoni a état généraux, il y a presse à centre Ngana pendant 3 jours de travaux, il y a mis ça là, Kendaka pour obtenir ou Babien Gangoni des pénalisations, il y a délit de presse. De travailler en commission, balé, bakoulout, confrère, de comprendre, de connaître, d'obtenir. Après mes travaux, mon konzambo ka yambaka biso. Monsieur le Président, n'a pas encore constitué la République, je pense que la salle de fête, je pense que Kemecha. Ma couloute n'a biso ma zwa kama loba. Ma aîné, maman Chantal Kanimo. Couloute n'a biso, aîné n'a biso, papa n'a biso, qui m'a michito, qui m'a michito. Et t'as notre confort à zwa maloba loba, car que, monsieur le président, toujours au bout d'armes, toujours au sein aïe et loko moko. Des pénalisations, il y a délit de presse. N'aï n'a zara n'a kacha sale. Mon konzamboka, président de la République, à l'obaka, que ma tour bolobeli biso, bolobeli n'aï, considérez que c'est fait. D'obtenir des pénalisations, il y a des presses. Mikolo Elandi, ma travaux de Salaka en commission à Centre Nganda, sous tutelle, il y a ministre. Qu'est-ce que vous demandez? Attendez, je suis fini à l'Ingala, non? Sous tutelle, il y a ministre Patrick Mouya, il y a ma poche qui sont loi ou à Bengaka, loi dite Mouya. Mais surtout, dans la loi, on a l'article 95, qui est un journaliste de casse courage et qui apporte en possession la source d'information et qui a relevé source d'information n'a jamais parce que c'est contre la démocratie. Ma canine de Costani Moujakera, ben aïe awa, avant awa, ma mère a parqué, a sali 3 jours dans l'Ipeki et puis aïe parqué. Avant de kuna pendant détention naïe n'a parqué mais auto n'a parqué naïe Pekin de manière mon coach te dit il y a pas si jour sur jour ressemble ça y est première question poser question Pesabiso jour source d'information mais c'est vous n'avez beaucoup c'est n'a beaucoup c'est présence n'a pas répondu à yo ils ont toujours qu'on dénoncer arrestation à yo c'est à nous de et les autres senga batcha fait à toutes les poursuites Oyo, bazui ba latissier, pour que non yé, azali moto yo, azoko, violé, bibé comme. Sur le plan professionnel, Busso ba pandisango, Tomouni Mabe Oyo de Costani Moujakira a salité pour que Lelo a se retrouvé na makala. Pour acheter mis place à journaliste, Ezali na bolo côté, Ezali na parquete, place à journaliste dans la rédaction. Il y a un autre pèse à message, na ma responsable, na vice ministre de la justice, ma vice-ministre de la justice Azali. Ceux qui ont toujours accès à l'état mieux, ils ont besoin de dépêcher, conseiller à l'époque, sur la Bibi, ils ont fait un mémo à Bisso pour dénoncer réellement l'arrestation. Ma mission TV, le miroir du monde.